Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Donc aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un cours que je vais faire, mais plutôt une astuce. Une astuce qui concerne un site internet que j'ai vraiment trouvé pas mal. Donc vous ouvrez internet. Truc qui change un petit peu. Voilà. Et dans la barre de recherche, vous tapez playlist now. Voilà. Donc avant de vous expliquer ce qu'est ce site, on va aller dessus. Je vais vous montrer. Je pense que le titre est assez évocateur, ça concerne la musique. Oui. Ça concerne la musique en effet, mais c'est une idée que j'ai vraiment trouvée pas mal, c'est-à-dire que c'est un site qui vous proposera des musiques, donc des playlists, plutôt une playlist avec une multitude de morceaux, enfin, il y en a plusieurs, en fonction de votre activité. Si vous travaillez sur votre ordinateur, si vous travaillez au bureau, si vous faites de la cuisine, si vous dormez, si vous faites une sieste, etc. Donc par exemple, vous pouvez, il y a des exemples ici, vous pouvez marquer. I'm working sur votre ordinateur. Voilà. Vous travaillez sur votre ordinateur et vous tapez ça. Voilà. Et vous avez une multitude de playlists qui ont certainement été faites par des gens inscrits, puisque vous pouvez en effet vous inscrire sur ce site pour participer. Et on va par exemple cliquer sur celle-là. Voilà, il y a 77 morceaux. Et tout de suite, il y a une petite barre ici de lecture qui s'affiche et votre morceau se lance. Voilà, vous pouvez l'entendre en fond. Je vais quand même baisser un petit peu. Et voilà, donc ensuite, il vous propose de rejoindre la communauté. Et vous avez, voilà, votre playlist est ici et ce sera assez aléatoire et ça changera ainsi de suite. Donc je voulais absolument vous faire partager je voulais absolument faire partager ça parce que je trouvais que c'était une idée géniale. Et moi je trouve justement que la musique s'adapte parfaitement à ce que vous faites en ce moment. Donc à vous de tester et à vous de juger si oui ou non ça vous convient ou pas. Voilà. Donc je tenais absolument à faire cette vidéo. J'espère que ça vous sera utile. Et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.